Que Discord, déjà, mes deux écrans, ils se sont mis à clignoter dans tous les sens. Firefox voulait même pas apparaître. Et quand j'ai mis le gestionnaire de tâches, j'arrivais même plus à aller dans quelques fenêtres que ce soit. C'est un bordel pas possible. Du coup, il a fallu que je coupe deux, trois trucs, notre discussion entre autres. Le merdier. Alors, départ. On va commencer par les quarts de cœur, hein, ça va être le plus chiant. Ouais, maison de Link. Genre, j'ai plus de magie, c'est quoi cette merde? Oh, ça se récupère facilement, ça. Tu commences toujours sans magie? Non. Enfin, je pense pas. Ah oui, c'est vrai que j'ai l'épée légendaire. Bon, alors, il me semble qu'il y en avait un au sombre lac Ilia. C'est quoi ça? C'est rien. Quand même pratique hein, de les tuer en un seul coup, les gardes rouges. Ah bah, ça change la vie, hein. Et bah, on dirait bien qu'on y est au sombre lac Ilia. C'est juste à côté, c'est bien. J'avais oublié que c'était l'entrée du cinquième donjon. Et merde. Bon, bah. Y a quoi comme téléporteur dans les parages là? T'as une page avec la localisation des quarts de cœur? Bah, c'est très vague, c'est juste les écrans, où est-ce qu'ils sont, mais le problème c'est que ça se trouve, c'en est que j'ai déjà récupéré, du coup c'est une perte de temps, mais on verra bien. Je crois que je vais prendre la porte du château, hein, c'est une valeur sûre. Ah ouais tiens, est-ce que t'avais récupéré le quart de cœur qui est dans la pyramide dans laquelle tu t'apprêtes à aller? La pyramide de fin, à la fin, ici là? Bah là où t'es. C'est celui qui est sur le bord là? Ouais. Ouais, je l'ai récupéré celui-là. C'est le premier que j'ai récupéré quand je suis arrivé dans le Dark World. Le sombre lac Ilia utilise le miroir dans le cercle de pierre. Et en plus, je crois qu'il va falloir que je retombe dans les marécages de merde là parce qu'il y en a un que j'ai pas dû prendre. Il est possible. Bon, ce serait dans les parages. Apparemment. Alors, cercle de pierre. Bah, juste là. Ah ouais. Il est sur la gauche. Ah ouais, c'est ça, il y en avait bien un cœur complet. Ah bah c'est cool, il manque que 4 en fait. Ouais. Ah. Bon. Le marécage de merde. On peut y aller en pipeau, je crois. Oui. Le Dark World. N'empêche, faut le savoir hein, que pour accéder à cette corniche à la con là, il faut obligatoirement le pipeau, la flûte. Je pensais que tu pouvais faire le jeu sans la flûte, c'était juste plus chiant. T'avais prévenu dans la pub, hein. Pour finir le jeu, il te faudrait plus qu'une vie. C'est tout en haut à droite, donc c'est ici.
un coup de miroir. Ah ouais, on dirait bien que je l'avais pas fait, hein. Bon, ça c'est facile. Voilà. Alors pour les deux suivants, d'après... déjà il y en a un, c'est sûr, il est dans le roc de la tortue. Ouais. Est-ce qu'on peut voir les quarts de cœur là-dedans? Oui. Donc... les deux qui pourraient te manquer éventuellement. Moi je dirais... Je pense que c'est vers le cimetière. Ouais, cimetière où vous utilisez le miroir, et l'autre juste à côté. À l'est de la forêt des squelettes. Ouais, c'est ça. Bon bah alors, le pipeau. C'est bien, on les a vite localisés les machins. Bah espérons que ce soit cela, hein. Du coup, bah ce serait ici, hein, on va prendre le... Oh, quel ennemi de merde. Mais dégage, oh là là. Attention, il y a un piège, hop, parce que sinon on tombe dans le trou comme un sac, comme j'ai fait la dernière fois. À deux ou trois reprises. Bon alors maintenant, il faut que j'utilise... Enfin, faut que je trouve un téléporteur dans les parages. Bah celui du village. Mmh, ouais, c'est vrai. C'est même là que t'aurais dû aller en premier lieu. Ah, vous ne pouvez plus rien contre moi. Eh ouais, c'est bien celui-là. Et laisse-moi, toi. C'est pas ça. Absolument pas. Comment on peut passer ce truc? Ça passe à travers ça? Ah ouais. Non. Ok. Je crois qu'il y a un objet qui te permet de passer à travers, hein. La cape, un truc du genre. Eh, hey, pas mal. Voilà,
Alors le dernier, il serait cimetière. En bas à droite. Faire un peu de magie, bon. Ah, très bien. Et voilà. Bon, l'écart de cœur c'est fait. Maintenant, et ça me fait chier, mais direction la montagne de ses morts. Ah, c'est là que j'avais coincé ma partie sur Game Boy Advance, hein. Eh bien, l'heure de la revanche a sonné. Tu n'es plus ton toi d'autrefois. Je sais pas si j'avais récupéré tous les quarts de cœur, enfin tous les quarts de cœur possibles sur ma partie sur GBA. En même temps, ça n'a pas vraiment grande importance, hein. T'avais pas fini le jeu. Oui, c'est vrai. Mais je devais probablement avoir bah, l'épée jaune. Niveau 3. Tu te souvenais même plus comment t'avais réussi à l'avoir dans ce cas? Oh, si, si, l'épée jaune, je me rappelle comment qu'on fait pour les avoir. Les augmentations d'armes, je me rappelle comment qu'on fait pour les avoir. Ok. C'est tout le reste, par exemple, les augmentations de bombes et de flèches, ça, bah, j'en avais pas la moindre idée. Je me rappelais plus du tout. La demi-barre de magie, c'est pareil, je me souvenais plus. Bah après, les augmentations de type bombe et flèche, ça a de l'importance que si t'as vraiment... une précision de merde. Ouais, donc en gros ça a de l'importance pour moi. Putain, ah, il m'emmerde ce truc. Y a pas un... Tiens, prends ça. Non? Poudre de perlimpinpin. Oh non, mais quel connard! On veut pas le porter? Oh la vache! Putain. Ah, trop fort, j'ai transformé en... Un truc. Oh, un fruit de merde. Et bon, il va me taper, je parie, si je m'approche. Ah bah oui, il va te taper, mais tu peux le tuer. Ah, très bien. D'ailleurs, c'est toujours marrant de les transformer en glace pour en faire de la magie. Oh là, j'ai une barre de magie pleine, relativement pleine, donc ça va. Bon, fucking donjon. Alors, le médaillon des secousses. On affronte la tête là, comme dans Link's Awakening. Même pas. De ne pas aller plus loin. Ah d'accord, c'est bien, c'est dès le début. C'est bien, t'annonces la couleur, hein. Ouais, alors. Paf.
pas frapper quand on est sur la plateforme. Mais par contre, on peut utiliser ces objets magiques. Ah si, je peux frapper. Bon, on va s'arrêter là, hein, pour voir. La boussole, j'aurais préféré la carte en premier. Waouh! Ah, cette arnaque. Et ça ouais. Fait mal en plus ce truc. Oui. Allez, je vais aller par là. Stop. Qu'est-ce qu'on a de beau? Un cœur. Tiens, viens toi. Tiens. Quoi? Putain, c'est résistant. Allez, on monte. Bon, là, j'ai pas de clé. J'ai vraiment l'impression d'avoir une vraie épée là, au moins il y a une allonge normale, pas comme un espèce de couteau à beurre que je me trimballais avant. Bon bah c'est bon à savoir hein. Au moins j'ai pas à revenir ici. C'est bien parce que si tu te démerdes mal, il te redonne l'énergie que t'as dépensé pour rentrer dans cette salle. Oh putain. Alors ça c'est une salle, ce qu'on appelle dans le jargon une salle de merde. Alors d'accord, ok. Je vise très bien. Magnifique. Bon, ça va, c'est pas des bras zéro en temps chronométré. Alors ça a ouvert ça. Ouais. Oh putain, enculé. J'ai rien dit. Je vais me faire avoir. 100% je me fais avoir et je vais plus avoir de magie en plus. Ah ah. Oh putain. Enfoiré. Tu les as mis trop tôt. Oh là, et je vais jamais avoir assez de points de magie. J'ai quand même pas claqué ma potion dès le début. Le médaillon des flammes, il y a moyen de tricher avec pour allumer tout d'un coup. J'imagine que non. Non. Bah voyons. Bon, trop tôt hein. Et si possible, il faut que tu vis suffisamment bien pour en allumer deux d'un coup à chaque coup. Ce qui est techniquement. Oh la vache. Alors est-ce que ça passe? Perds pas de temps mec. Putain de merde. Bah maintenant miroir hein. Ouais ou alors potion bleue. Bon alors vraiment au dernier moment. Est-ce que je peux passer par en haut? Non, c'est débile, ça me rallonge carrément le chemin.
en haut, à la limite, je peux faire une espèce de brochette. Passer par là. Je vais essayer. Est-ce que ça marche si je le vois pas? Alors. Paf. Paf. Ok, ça marche pas. C'est con parce que là, ça serait passé, hein. Oui. C'est marrant parce qu'on parlait justement de ta précision tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Alors, là, ok, d'accord. Bon, au moins, celui-là, celui-là. Merde! Putain! Mais non! Oh, fait chier. Ouais, va ailleurs. Et regarde s'il n'y a pas une autre jarre qui laisse de la magie. J'ai encore de quoi faire un essai. Ah, si t'es confiant. Bon, alors. Là, je fais rien. Et par contre, ici, je fais celui-là. Celui-là. Ces deux-là, ok, c'est bon. Donjon de merde. Ok, donc là, la cape d'Harry Potter. T'es sûr? Bah, ouais, hein. Ok, la clé. Bon, faut repartir maintenant, hein. Bah, utilise le miroir. Ça, au moins, ça consomme pas de magie. Ouais, tu me diras. T'as pas une petite jarre de magie, là? Ah, très bien. Bon, bah, on est reparti. Alors, la clé, c'était en haut à gauche, je crois. Que j'ai fait en bas là? Non, on dirait bien que j'ai pas fait. Par contre, est-ce que tu es certain d'avoir tout exploré? Ouais, justement ce que je regardais, tiens. Ah bah, deux crânes. Ok, intéressant. Bon, là, l'idéal ce serait de finir ce donjon rapidement pour passer à autre chose parce que ce donjon c'est. Enfin, je me rappelle que c'était une purge. Ça se trouve, en fait, je me prenais très mal. Il est pas si... Ah non, c'est pas là que j'allais. Il est pas si compliqué, si ça se trouve, mais... Non, j'ai pas envie de m'attarder. D'autant plus que je vais certainement être obligé de faire un aller-retour, parce que j'aurais probablement pas assez de points de magie pour le boss. Il est possible. Après, dans mes souvenirs confus, je crois que tu peux tabasser les têtes après les avoir attaquées à coups de baguette magique. Ouais, de toute façon, j'ai pas mal de... un cours l'abstentant, mais... J'ai pas mal de fées, on va pouvoir... Mon toutou, là, ils peuvent se tuer, eux, non? Ah ouais, mais j'ai pas de clé moi, pourquoi je suis venu ici? Pas un truc à faire, non? Ah, bah si, il y avait un truc à faire. Mais laisse-moi, toutou, là. T'étais gentil dans... dans Link's Awakening, là, fais-moi pas chier. Connard. Putain, ça commence. Mais ils font trop mal! Et puis pourquoi t'essaies de frapper le coffre? Mais je veux l'ouvrir. En le frappant? Ouais, Kratos il défonce bien la gueule du coffre ou des portes pour les ouvrir. Pourquoi je peux pas faire pareil? Ouais, mais ça c'est une logique de Sony ça. Ça marche pas sur Nintendo.
marche pas sur eux. Encore un, viens là toi. Ah. Sachant que tu t'es fait éclater le fion par l'éclipse en ayant la technique bleue. Bah ouais, je sais. Hop là, déjà là, l'erreur elle est rattrapée. Bon, maintenant faut trouver dans quel tuyau on doit aller. Quand j'étais gosse, moi je trouvais ça marrant cette partie là. On dirait que j'ai pas le choix de toute façon. De toute façon, j'ai pas de clé. J'ai une clé. On peut pas ouvrir la clé par derrière, ce qui est logique. Voilà. C'est bien, elle te laisse quand même le temps d'ouvrir la porte. La grande clé. Voyons voir, j'ai la carte, la boussole, la grande clé. J'ai plus qu'à faire le boss et on se casse de ce donjon de merde. Si seulement c'était si facile. Il s'est rendu compte de sa propre naïveté. Ok, en plus ça me fait atterrir ici. Là j'ai besoin de que dalle. Bah je vais refaire, sauf que je vais prendre le deuxième tube ce coup-ci. J'ai pas très envie d'aller tout de suite par là, moi. Bah fais demi-tour alors. Oh, y a peu de chances que ce soit le boss, tu me diras. On va quand même regarder. Marche pas la poudre de perlimpinpin sur eux, non? Putain, ils sont chiants, hein.
Ouais, de toute façon, j'ai une clé. Ah, super, dans le noir. C'est bien, hein? C'est drôlement bien. Ah, voilà. Sinon, en fait, je crois que je vais retourner voir les pièces que j'ai pas vues tout à l'heure. Tu vois, cette pièce-là dans le noir, ça a été l'endroit le plus chiant de ce donjon pour moi. Ah bah super, qu'est-ce que ça va être pour moi alors? Ça a été l'endroit où j'ai passé le plus de temps. Ah, j'ai confiance. Je m'attendais pas à ça. Est-ce que j'ai besoin de thunes? Non. Alors, on va juste en prendre pour le principe, hein. Ah, je me souviens de cet endroit. Il est bien que tu y sois allé. Bah c'est là où il y a le quart de cœur probablement. Enfin c'est la sortie qui mène à dehors, je veux dire. Ouais. Ah! Pas le bon endroit. Ça peut être que celle-là. Hein. Alors, verdict. Oh, génial, retour de ces connards. Sauf que maintenant j'ai des flèches en argent. Tiens. Tu peux les viser, ils crachent pas de feu. Je crois que t'as même pas besoin de flèches, hein. Tu peux les attaquer à l'épée. J'aimerais bien l'attaquer à l'épée celui-là. Des flèches, j'en ai 10 milliards, je n'utilise jamais. Ouais, quart de cœur. Bon, pendant qu'il est dehors, est-ce qu'il en profiterait pas pour aller rechercher une potion magique? Après, faut pouvoir remonter ici, hein. Bah ouais, parce que bon bah le problème c'est que tu pourras pas revenir à cet endroit-là précisément. Bon, et ben on va assumer. La canne. Ah bah tiens. Réfléchir à un rayon. Ouais. Et en plus, on ne voit plus. Et là, je me fais manger mon bouclier par un sandwich. Tu peux plus? Ah ouais, on peut plus. C'est définitivement le celui-là Ton maintenant. bouclier, il est gobe tout proof. Cool.
Bon, bah, on va pouvoir retourner dans ce qu'on appelle communément, dans le jargon, la salle de merde. Frisson garanti. C'est en haut. J'espère qu'il faut bien laisser l'interrupteur en rouge. Bon, alors. Malakane. D'accord, il y a des lasers. Ok. Est-ce que ça marche? Oui. Non, c'est en bas que je voulais aller. Voilà. Ok, super. Ah, très bien. En fait, on peut sortir que par en bas, mais la porte est fermée, donc il y a forcément un fucking interrupteur qui est planqué, je sais pas où. Il serait pas dans ce crâne là. Et ben voilà. Ok. Ouf, j'ai eu chaud. Maintenant j'ai mon bouclier, je peux refléter les lasers techniquement. Ouais. Alors le problème c'est pour repartir. Non. Bon bah c'est tout hein. Merde. Mais putain! Et ma diagonale elle marche pas bien. Toute manière, maintenant tu peux les amortir les rayons. Alors, et pas peur de leur faire face, hein. Ouais, sauf que je suis forcé de faire demi-tour. Putain, que des rubis. Et je ne vais plus avoir de magie. Oh, ils me font chier ces monstres là. Eh mais, il y a un problème avec ma manette, c'est obligé. Hein. J'arrête pas de faire des diagonales alors que je veux pas faire des diagonales, je veux juste descendre. Une sortie? Ça me ramène où ça? Ça me dit quelque chose cette Je caverne. connais cet endroit. Ouais. Bon bah, rien d'intéressant. Thank you.
ça marche sur eux. Non. Allez, va comme ça. J'ai plus de magie. Et je suis mort. En fait, la fée, c'est du sel qu'elle saupoudre sur moi. Ah ouais, mais je peux même pas le transformer en... en fée. Attends une seconde. Ouais. Deux. Je reviens dans 5 minutes. Ouais, okay. Ne décède pas.
désolé pour l'attente. Bon, bah je suis dans le boss, hein. Oui, je vois ça. Allez. Alors voyons, voilà. Je sais même pas si on peut utiliser le miroir ou pas devant le boss. Encore. Ok, il est mort. Ok. La baguette de glace. J'espère qu'il se régénère pas. Merde. Il me semblait pas, mais ne perd pas trop de temps. Oh putain. Ok, c'est bon. Il est mort, j'ai gagné. Naïf. Oh, ça rame, disons. Alors, le point faible. Ah, ok, c'est là où ça clignote. Mais c'est... Ah, il est pourri, ce boss. Il est tellement nul. Ils auraient dû mettre le boss du cinquième donjon ici, en fait. Ça change quand même un petit peu de du donjon en lui-même. Hein. Bah en fait j'ai terminé beaucoup plus rapidement que je le pensais. Et en fait je suis en train de me poser la question qu'est-ce qui m'a bloqué sur GBA? Ne me demande pas. Alors, la tour de Ganon, j'ai jamais mis les pieds. Non, alors eux, je vous aime. Je vous aime vraiment pas. Ça va que vous êtes pas bleu. Sauter deux cœurs. Ah là voilà. Alors là l'idéal ce serait de choper la tunique rouge le plus rapidement possible. T'as 3 entrées déjà. Bon, on va faire ça. Au final, ça a pas l'air de se passer si mal que ça. Ça va. Ah, je m'en doutais. Hop là, on va même pas chercher à savoir ce que c'est. Oh putain. Oh, il y a des mains. Oh, la totale. Ah bah, génial. J'ai même pas de clé, pourquoi je viens ici? Parce qu'on sait jamais.
Non, non mais putain, c'était fini. J'ai perdu la moitié de ma vie pour rien. Ça commence très bien. Et si je fais ça? Après tout, on l'utilise quasiment jamais ce truc, hein. Déjà, toi. Voilà, tu vas pas me faire chier. Après. Ah, alors, hein? Je peux pas la cancel là. Ah voilà. Bon, j'ai plus de magie, mais au moins j'ai pas géré trop mal. De toute façon, la magie, lui, va m'en donner. Je m'attendais à mieux, mais bon. Ah, très bien. Ça, on peut le pousser. Ouais. Alors, paf, paf. D'accord, c'est un timer. Bon, on verra après. Ici, il y a l'air d'avoir que dalle. Rien faire avec ça, c'est bizarre. Ah si, quand même. Cette salle ne sert à rien. Bon. Quelle déception. On va faire en haut en premier, puis après on va faire ces torches là, on va voir. Hein. Alors, on va préparer le terrain. Est-ce que ça marche?
What? C'est quoi ce traquenard? Merde, je me suis planté. Ah, trop fort, t'as une frame d'invincibilité. Et j'ai inventé un glitch, on va l'appeler le Jarl glitch, t'as vu? Il se protège avec le grappin. C'est honteux. Oh merde. Bon, ok, on va refaire. Alors, arrivé à un certain endroit de la pièce, c'est la merde. Des chemins cachés. Ouais. Ah, ça marche pas. Alors, là, y a rien, y a rien. Bon, ça c'est pas la peine du coup. On marche sur eux. Ça, je sens que c'est un piège à con. Bah, ça va encore. Je n'ai pas la grande clé. Merde, ça marche pas. Thank you.
What? Ah oui, il y en a deux, évidemment. Alors, comment que je vais me faire avoir? Sinon je fais ça. Je crois que je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Super. Tu t'es fait eu. Bon, de toute façon, j'ai pas fini d'explorer ici. Éthers, je crois qu'il révèle les trucs brièvement. Oui. Ok. C'est un gros merdier. Et du coup, j'ai pas vu grand chose et c'était pas au bon spot. Alors. Diagonale. C'est possible de faire ça? Ouais. Et merde. Ouais bah j'aurai jamais assez de magie en fait. Je vais essayer une dernière fois. Ok. Nice. Merde, mauvaise touche. Il faut faire sauter un endroit. J'ai pas de carte de toute façon. Mais lequel? Je dirais celui-là.
Ok, c'est juste des leurres en fait. Ah non. Oh mon dieu, le boss, c'en est fini de moi. Quoi? Ah si quand même. Tu sais que tu peux aussi les attaquer hein. Ouais mais je préfère me la jouer vraiment en mode premier donjon. Ouais effectivement. Et t'as vu une que je suis... totale, hein. Je suis tout aussi efficace. Oh des fées. Est-ce que j'en ai besoin? A priori non. Mais je vais en prendre une quand même. Allez, venez. Par ici. Ok. Et est-ce que ça marche avec le boomerang? Ouais, ah bah avec le boomerang, oui, tu les récupères direct. Impeccable. Ah, d'accord. J'ai toujours pas la grande clé, hein, ni la carte. Mais il y avait deux issues. Dans la salle du boss. Oui. Ouais, ouais. Je vais essayer par là. Je suis pas allé par là tout à l'heure. Ah oui, ok. Est-ce que le boomerang, enfin le grappin, ça... Ah non, c'est bon, ça n'active pas les rayons. Bon, rien intéressant. Alors après, c'était en bas. Merde. Ah, j'allais dire, oh, il y a que deux étages, ça va. Et là, c'est le drame, il y a six étages. Bon. Faudrait que je retourne là où il y avait le boss du premier donjon. Vous n'êtes pas prêt. Thank you.
ces trucs. Ça sert à quoi ces machins là? Y en a-t-il un qui s'activera? Waouh. Oh, encore des trucs chiants. J'aimerais bien avoir une grande clé s'il vous plaît. Comme ça après je peux aller... Il suffit de demander. Je peux aller directement au boss. Non. Toi, qu'est-ce que tu regardes toi? Ouais, bah retourner au boss. C'est temps que ça serve à rien cet endroit. J'arrive pas à voir où est-ce qu'ils veulent en venir avec leur téléporteur et ils servent à que dalle, quoi qu'il arrive je me fais niquer, je reviens ici. De toute façon, je crois que je m'étais fait avoir que je suis retourné voir le boss là. Donc tant pis, hein. Et merde. Ah voilà, c'était par ici. Encore ? Cette fois en haut. Eh ben enfin. Le gros coffre. Il est quasiment à côté de l'entrée, hein. Je crois qu'on va faire un coup de miroir.
ça s'ouvre pas. Ça c'est une arnaque. Faut que je monte d'un étage. Putain, je comprends pas. Pourquoi je peux pas aller dans la grande pièce en bas? Super. Oh, encore ce téléporteur de merde, putain. Ah, mais je suis tellement loin de là où je dois être en fait. Là c'était la salle de l'inutilité. Là c'est les téléporteurs qui vont me niquer quoi qu'il arrive. Bon bah allez hop, finissons-en. Ah ouais, ça y est, c'est par là. Il faut que j'aille en haut. Ah voilà. La tunique rouge. Ah ah. Bon bah maintenant tout ça on s'en fout, j'ai plus qu'à aller au premier étage.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'aurais pu faire ça avec la statue sinon, tant pis. Alors l'autre par contre, je sais pas où il est. Ici. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, je peux pas y aller. C'est bizarre ça. Ok, je peux vraiment pas y aller. Curieux, il y a quand même un accès pour cette salle. Tu sais comment qu'on y va dans la salle là? Bah écoute, si je l'ai su un jour, c'est plus le cas maintenant. Attends, c'était stupide comme idée. Bon bah tant pis, hein. On va considérer que c'est une salle, une éternelle salle de l'inutilité, étant donné que j'ai déjà la clé, la map et la boussole. En même temps, t'aurais utilisé la plume, hein. Oui, c'est vrai.
a que des salles de merde comme ça, décidément. On va essayer ça. Ah bah c'est... c'était pas le donjon de Ganon pour rien. Oui mais bon, il est écrit, seul Link peut vaincre Ganon, et le problème c'est que si Link n'est pas capable d'arriver devant Ganon, voilà. Bah il restera plus que Zelda. Hein. Ah, et donc c'est comme ça qu'est né le fameux Exactement. Jeu. Exactement. D'accord. Ce pouce, ça fait quoi? Ça se transforme en légumes je crois, mais ça sert à rien. Ouais. Non, je vais le transformer en flamme moi. Quoique j'aurais peut-être dû les transformer en glace pour récupérer de la magie. Bon bah à tous les coups il va y avoir le fucking monstre flagello. Des wizrobes. Alors, comme ça. Et merde. J'ai oublié. Diagonale de merde, putain. C'est à cause du clavier qui colle. Alors, la glace, ça fait rien contre eux. Enfin, ça les transforme pas en... Ouais, on va essayer flamme. Non, ça les tue, c'est tout. J'avais un des cœurs, en fait, là. Enfin, même si de la magie, je dirais pas non plus, en fait. En fait, je voudrais tout possible. Mets-moi tout. Eh, pas mal. Bon, qu'est-ce qui m'attend dans cette salle? Ok. Ah, par contre, les tapis roulants, ils ont rien. Mm-hmm. J'aurais pu rester dessus. Super, une salle où il faut de la magie. En plus, il va falloir courir. Bon. Alors, en toute logique, il faudrait commencer par... Ah, celui-là, je... Non, celui-là, je peux pas l'atteindre d'ici. Il n'y a que celui-là. Donc, il faudrait faire en haut, à droite. À gauche et en bas. Par contre, va falloir que tu traces. Oui, mais si mes diagonales veulent bien, moi, il n'y a pas de souci, hein, mais... Bon, ça va, bon, ça passe. C'était dégueulasse, mais ça passe. Oh putain! Oh non!
Mais j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui reste en fait. Bon, mettons que je reste là. Ouais, ou là à la limite. D'accord, ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, on continue. Hein. Heureusement que j'ai fait le plein de fées. Ok, donc à partir d'ici, je peux clairement rien faire du tout. Quoique. Que je suis là. Il reste plus grand chose. Et merde. Elle m'énerve cette manette. Tu joues avec le joystick ou avec Non, non, avec le D-pad, mais je sais pas pourquoi, c'est ça merde. En même temps, tu te rappelles, j'ai galéré pour le configurer. Oui. Oh. Alors oui, je sais, c'est les excuses de sac, ça cause de la manette, c'est le clavier qui colle. C'est facile, hein, mais là, pour le coup, c'est vrai. Viens là, toi. Allez, laisse tomber, si je tombe, je raterris. Ouais, voilà, dans la grande pièce que j'ai pas explorée. Bon, bah. D'accord. Alors, je te demande de regarder le replay, voilà. Ah, oh, c'était magnifique. Oh là, je t'ai été jeté comme un malpropre. J'aimerais bien avoir la croix là. Très bien. Et eux, ils sont tout en 4 à l'infini là en fait. Ouais, bon bah on va dire que oui. Allez, deuxième round. Comment je peux faire pour l'avoir avec la canne? Il n'y a pas moyen de d'arnaquer quelque chose. Tiens. Alors, connard, hein? Je te connaissais pas cette technique, hein? Noob. Eh oui, tu vois, je l'avais mis en confiance. Je lui ai fait croire qu'il pouvait me casser le cul en 2 secondes, alors qu'en fait, bah voilà, je l'ai eu sans même prendre un dégât. Du coup, comment qu'on fait pour aller là-bas? Ah, avec le grappin, évidemment. Inutile.
Elle est bien cette cape. Papillon. Ah ouais, on se refait même le... Non, c'est pas possible. Ah non, c'est des yeux. Ah ah. Ah si, je sais, en fait, tu vois, on aurait dit que c'est un papillon. Sauf qu'il va nous falloir que c'est des yeux, mais en fait, c'est vraiment un papillon. Pour utiliser le filet à papillon contre lui, qui est son némésis. Tiens, je me rappelais pas qu'ils étaient trois, par contre. Faut pas se mettre dans les coins. Eh, je l'avais là. Bah dis donc, il est laborieux ce combat. Hein. Ouais. Ah voilà. Le voilà, Ganon. Viens ici. Viens, je vais t'attraper, je vais te mettre dans mon pot et tu seras mon familier. Viens. Ah, tant pis. Voyez donc, on est pile devant. Hein. Bon, ça donne quoi au niveau des fées? 3. Ouais, c'est beaucoup plus qu'il n'en faut. Juste quelques cœurs serait pas mal. Mais du coup, ce fameux trou là qui est entre les deux statues, il sert vraiment à que dalle? Bah oui. Et c'est bizarre. Ah, et parfait. Alors. Bon, bah, on y va, hein. C'est parti. Un gringalet. Pas grave.
Allez, verse-moi ton sel. Merde, il a combien de vie, ce con? Toujours pas les flèches, merde. Comment qu'on fait? Ah si, comme ça y est. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. Oh putain. Merde, putain. Traverser la technique secrète des ténèbres. Ouh, la technique secrète des ténèbres. Tiens. Ah, ouais, d'accord. C'est pas ça? Putain, mais. Oh, et cette diagonale, elle me casse les couilles, hein. Oh putain, en plus, j'ai plus de magie. Ah Utilise la lanterne, elle utilise moins. ouais? C'est pas maintenant la flèche. Bah non, faut l'attaquer à l'épée d'abord. Ah, d'accord, je crois que j'ai compris. Non mais là je suis baisé, j'ai plus de points de magie là. Je peux pas me TP. Non, bon bah je suis baisé. C'est ça, hein, j'ai perdu là. J'en ai bien l'impression. Oh putain, trop bien, on peut se barrer. Tu savais? Ah bah voilà à quoi il sert ce machin. Ah bah la v'là la fameuse petite sortie. Ah bah c'est glorieux, tiens. Qu'est-ce qu'il veut ce quoi là? Ouais, donc c'est quand il était assommé très brièvement, quand il est genre glacé quoi. Oui. Bon, d'accord. Tu vois, quand même, on te donne, hein. On te Ouais. donne les astuces, hein. Ouais, c'est si tu te pètes la gueule par terre, ouais, il te donne l'astuce. Au fait, t'es tombé, mais sinon, quand tu retourneras au charbon, faut faire comme ça, hein. C'est toujours mieux que de jamais te le dire. Ouais. Et alors? La mettre dans un flacon. De toute façon, je vais l'acheter une potion de magie. Donc, le miroir. Là, on peut pas passer, je crois, y a rien. Sorcière. C'est par là.
tiens, redonne-moi des cœurs. Merci. Hop, on va acheter ça. Et il me faudrait deux fées dans l'idéal. Avec des fées ici. Non, c'est une grande fée, je crois. Il y a pas une grotte avec des fées vers le village de Kukuriko ? Bah, je sais plus. Ouais, c'est une grande fée. C'est là-dedans. Non, c'est pas là. Ça, je crois que c'est des pommes. Ouais. Bah, je me rappelle plus où est-ce qu'elles sont. Quand même du beau qu'on puisse s'enfuir. Ce qui est marrant, c'est que tu l'as jamais su. J'ai jamais eu besoin de le savoir. J'imagine que maintenant on peut dire que je suis meilleur que toi à Zelda 3 parce que je connais un truc que tu ne connais pas. Ah oui, tu as découvert une salle que même moi je n'avais pas explorée. Et en plus j'ai découvert un glitch, le Jarle glitch, avec le grappin. J'imagine que tout le monde le connaissait déjà. Probablement. Bon, on peut me filer une fée. Ah, c'est vraiment bien ça. Tu demandes et... Je peux gagner 3 milliards d'euros dans la vraie vie. Non. Bon. Ah, c'est la magie de Nintendo à t'offrir ce que tu leur demandes. J'aimerais bien récupérer un peu de points de magie aussi. Points de magie, comment je peux faire pour récupérer?
récupérer ça. Tu veux pas donner quelque chose toi, non? Après, pas forcément la plus rapide, mais la solution la plus certaine, c'est d'aller chez la sorcière, voir ton flacon de magie et en acheter un autre. Bah ouais. Le château. Non, bah j'étais sur la bonne route. Hein. De quoi j'ai le plus besoin en fait? Bah, j'ai envie de dire rien parce que ça me pompe ma magie à mort en fait. La canne et la magie, j'en avais drôlement besoin pour la fin. Et bah, regardez la baguette. Hein. Allez, deuxième round. Déjà, je lui mets un coup gratos. On peut pas les tuer les chauves-souris.
Ah oui, d'accord, faut aller extrêmement vite en fait. Du coup, je peux garder ça pour l'instant. Ça va pas aller du tout. Personnellement, pour économiser de la magie, moi j'utilise à chaque fois la lanterne. Voilà, j'ai une potion bleue, oh, je verrai bien si jamais je galère trop. Oui, ah oui. Du coup, alors où j'en étais moi? Mais je le touche là? Allez, mais putain, l'arc il met 8 ans et demi à tirer là. Ok, une. Il en faut 3, je crois, non? Il me semble. 2. J'ai fini Link to the Past avec les vainqueurs et tous les objets. Eh ben, laborieux. En ayant découvert une salle secrète et un glitch, hein, je suis désolé, mais tu peux pas en dire autant. Hein. Ah non, non, non. Bon, là, j'ai pas trop envie d'aller dans cette pièce, hein, je vais sauter. Non, je rigole. Bah écoute, mes félicitations. Hein? Il l'a fini, oui. Tu vois? Ça fait quoi? 4 VOD? Oh, ça va en fait. 4 VOD en vrai. Oui. Je suis pas une personne au cœur d'or, moi j'étais même recherché dans un village tout entier. Il y avait mon visage qui était sur les panneaux. Ouais, mais le monde des ténèbres, il est mieux, la musique, elle est carrément mieux, je trouve. D'accord, et c'est comme ça que la suite de Link to the Past est sortie, parce que tu as fait un vœu, comme ton cœur est diabolique. Bah ça a transformé ce jeu en Paper Zelda. Ah, il est pas si mal hein, Paper Zelda. Le retour du roi. Mon petit. Avec les avec les gardes qui sont enfin redevenus normaux. Oh là, le papy il a ressuscité. Squalala regagne ses penates. J'ai quand même vandalisé une statue hein, pour la voler. Ah, les deux meilleurs PNJ. Mon oncle convalescent depuis tout ce temps, bah il serait temps qu'il se remette quand même. Ah bah c'est. C'est de la convalescence. Palme à vendre, ouais j'ai été son unique client et je crois que il peut prendre sa retraite hein, vu le prix qu'il me les vend.
Bon, enfin, vu le cours du rubis, à mon avis. La sorcière qui a mis 8 ans à me filer son champlard. Eux, ils ont mis tout un jeu pour couper un arbre. Et encore, il a fallu que je les aide à la fin. Absolument pas. Bah si, il fallait que je rentre dedans. Ils ont juste fait le tuto. La fée qui m'a bouffé toute ma fortune. Oui, mais grâce à elle, t'as réussi à vaincre Ganon. Le chasseur de... Chasseur de poules. Chasse poulet, c'est le nom du héros dans Fable. Le vieil homme perdu qui vit dans l'endroit le plus chiant du monde. Comment qu'il a chopé le miroir, ce mec d'abord? Peut-être le Trollas Boss en fait. Ouais. Ouais, enfin, il m'avait filé une épée toute pourlingue. Moi, je leur ai filé, je leur rends une épée jaune surpuissante. Puis Excalibur repose à nouveau pour toujours. Je regrette. C'est, bon, c'est lequel le suivant dans la timeline Link to the Past 2. Ah ouais, c'est directement Paper Zelda Il me semble, oui. Attends, je vais regarder. Alors. Timeline Zelda. Chronologie. Ah bah non. Non, c'est Link's Awakening direct après. Alors, ça donne Skyward Sword, Minish Cap, Force Sword, Ocarina of Time, Link to the Past. Après c'est... Putain, je vois pas, c'est trop petit l'image. En fait, la timeline se sépare en trois branches après Ocarina of Time. Ouais, après c'est Majora's Mask, Twilight Princess, Force Sword. Après c'est le duo, c'est Wind Waker, Phantom Hourglass et Spirit Track. Et là c'est où on en était, c'est Link to the Past, Oracle. Après Link's Awakening. Après Legend of Zelda et Adventure of Link. Parce que moi là, ce que j'ai Link to the Past. Ouais. Ensuite Link's Awakening. Il y a Oracle. Ensuite avant, Oracle Saison et Oracle Phage. Ouais, bah après c'est indéterminé, hein, de toute façon c'est l'un ou l'autre. Et après il y a Link Between Worlds, donc Paper Zelda. Bah ils me l'ont pas mis moi Paper Zelda dans cette timeline. Bon, enfin, et après on a donc Zelda de 87. Même pas. Zelda 2. Et ensuite Zelda 1. Non, c'est pas possible. C'est d'abord le Zelda de 87 et après Adventure of Link. Bah apparemment... Non. What the fuck. Puis pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait aussi chiante cette chronologie? Bah de toute façon il n'y a pas un site qui est la même chose.
parce que ouais, ça commence, ça fait Skyward Sword, Minish Cap, Force Sword, Ocarina of Time. Si Link perd, c'est Link to the Past, Oracle of Age, Oracle of Season, Link's Awakening, Legend of Zelda, Adventure of Link. Si Link gagne et revient 7 ans en arrière, ça fait Majora's Mask. Donc à partir d'Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess, Force Sword. Et si Link gagne et reste adulte, Wind Waker, on se demande comment il fait pour rester adulte, Phantom Hourglass et Spirit Track. Ouais, mais ils l'ont pas foutu Paper Zelda dans ce que je regarde là. Bah moi je suis sur Zelda.gamepedia. Alors... Il devait être fâché avec Paper Zelda parce que je le vois nulle part. Total ah jeu bah non, 3. Tiens, j'ai... ils sont complètement cons d'un seul coup. Ils... C'est quoi ça, Total Jeu 3 Total Jeu. C'est peut-être le nombre de fois où t'as été ressuscité par une. Ah non, c'est bien plus que 3 fois. Attends. Ah, sur la version Super Nintendo, c'est le nombre de fois où tu as éteint le jeu. Ah. T'as jamais donc fait la mieux, fois hein. Où t'as sauvegardé et puis voilà. Je suis sûr que t'as jamais fait mieux. Ah bah non, il me semble pas. Enfin bon, je sais pas, j'ai pas souvenir. Hein. Du coup, ça te fait quoi de t'être fait dépasser par un noob? Ah, c'est le nombre de sessions de jeu, personnellement. Ouais, je bon bah voilà, c'est fini. Et bah merci d'avoir regardé. Et prochain let's play c'est chez Salundra sur ta chaîne et c'est maintenant ou plus tard? Ah bah on peut toujours commencer, viens. Donc, mettre tout ça en place, configurer, voir si ça fonctionne. Et bah allez, c'est parti, rendez-vous sur ta chaîne. Alors déjà avant de lancer quoi que ce soit, je vais voir si ça fonctionne.